Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Avant de commencer cette découverte, je tiens à remercier Jennifer de Gameforge AG, qui nous permet d'avoir cette clé et de pouvoir vous présenter ce jeu Trigon Space Story, qui est un descendant, qui est FTL2, voilà, c'est dit. Vous allez voir ça tout de suite. Donc c'est un roguelike tactique qui vaut une vingtaine d'euros sur Steam, donc compatible à la manette, je pense que ce serait complètement injouable, vous allez voir pourquoi, en français et en solo. Alors, qui dit roguelike dit souffrance, et oui, on va souffrir dans ce jeu. C'est parti, alors on va faire le tuto, parce que le tuto intègre la campagne, enfin, vous introduit, voilà, la campagne, c'est parti, et au moins vous allez bien comprendre, ça va bien vous expliquer, et moi je vais pouvoir vous donner des conseils, non, parce que le jeu je le connais pas, enfin je le connais pas, j'y joue un peu, mais voilà, bref. Mon ressenti par rapport à FTL, parce que je suis un vétéran de FTL, j'adore FTL, FTL est un des meilleurs jeux du monde. Ce jeu en est un digne héritier, donc il y a beaucoup de choses qui vont ressembler à FTL. Ne vous inquiétez pas, si je fais des comparaisons à FTL, c'est normal. Ça permet aussi à l'équipe de dev de pouvoir améliorer les choses, parce que je sais qu'il y a des choses à améliorer dans ce jeu. Mais il est encore en... il est encore possible d'améliorer tout ça. C'est parti, faisons le tuto, car rien n'est figé dans le marbre. Ok. Vous êtes le capitaine d'une des plus grandes flottes de la Fédération, oui. En pleine zone de guerre, alors que vous luttez contre l'alliance des corporations d'extraction, vous vous retrouvez coupé de la flotte principale, merde, dans l'un des secteurs occupés par l'alliance. Ah, crotte! La mort est inévitable, merde! Mais les amiraux n'abandonnent pas sans se battre. Ah, je suis un amiral, carrément, d'accord. Jacqueline est amiral, très bien. Avec courage les gars, montrons-leur qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre en essayant de nous casser la gueule. Très bien, alors. Bienvenue à bord du Faucon Centenaire. Ce scénario de formation vous apprendra les bases du pilotage et les bases de vos cassages de tête. Très bien. Alors. L'énergie disponible dans... L'énergie disponible est en corrélation avec le niveau de votre réacteur. C'est-à-dire que si votre réacteur est niveau 10, vous avez 10 petites barres d'énergie ici que vous répartissez ensuite dans vos systèmes qui sont ici. Pas cela. Cela ne consomme pas d'énergie. Ça, c'est gratuit entre guillemets. Ce sont des sous-systèmes. Là, ce sont vos systèmes principaux. Et donc, vous pouvez augmenter, allumer ou éteindre les... avec clic droit, clic gauche. Clic droit pour éteindre, clic gauche pour allumer. Les secteurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce jeu qui est très bien? C'est que si, comme là, c'est tout gris, eh bien, ce n'est pas allumé. Là, c'est en jaune, donc c'est allumé, et puis le petit symbole est vert. Si je l'éteins, le petit symbole devient gris, et toute la salle devient grise aussi. C'est très très bien. Petit visuel directement. Ça, c'est très bien fait. Les icônes en bas de la barre d'outils. Oui, ils appellent ça une barre d'outils. Ouais, j'aurais pas forcément appelé ça une barre d'outils, mais bon, bref. De la barre d'outils inférieure représente les systèmes de votre vaisseau. Les systèmes consomment de l'énergie produite par le réacteur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Clic droit, clic gauche pour augmenter et descendre. Bien. Ces icônes correspondent aux sous-systèmes de votre vaisseau. Ils ne consomment pas d'énergie du réacteur. Et les cases au-dessus de chacun d'eux indiquent leur niveau. Pointez le curseur sur un des systèmes pour obtenir des informations détaillées. Permet d'ouvrir et de fermer les portes. Il faut un opérateur pour activer les boucliers du SAS. Quoi, il y a des boucliers dans les SAS? Ah mais ça je ne savais pas. Ah mais ça, ce n'était pas dans FTL. Ah très bien, je n'avais même pas lu ça. Je n'avais pas tilté. Ah merde. D'accord. Voilà, donc plus évidemment plus c'est haut, plus c'est efficace. Hein. Vous en doutez bien, je vais arriver à parler. Ne vous inquiétez pas. Ok. Chaque système et sous-système occupe un module du vaisseau, donc une case. Hein. Donc évidemment, dans FTL, on avait 6 systèmes, 8 systèmes et 4 sous-systèmes, je crois, possibles dans un vaisseau. Même si les cases étaient... même s'il y avait encore des cases libres, vous ne pouviez pas en mettre plus que ça. Mais vous dites bien que déjà, vous ne pouvez pas en mettre plus qu'il n'y a de cases libres, de pièces libres dans votre vaisseau. Module du vaisseau. Si le vaisseau est endommagé, les systèmes peuvent mal fonctionner. Bah oui, évidemment.
Si un membre d'équipage se trouve dans le module, ces systèmes bénéficient d'un bonus particulier. Donc ici, nous voyons barrière défensive. Contrôle par l'opérateur plus 25%, enfin, moins 25% du temps de recharge du bouclier, plus 50% de régénération du bouclier au niveau de la vitesse. Opérateur de bouclier L1, moins 25% de temps de recharge du bouclier, plus 100% de vitesse de rechargement du bouclier si cet homme est opérateur de bouclier. Lee. Opérateur de bouclier, évidemment. Ah non, mais c'est Lee, pas L1. D'accord, ok. D'accord, ok. je l'ai appelé L1. Cet homme s'appelle Lee. D'accord. Très bien. La barre d'outils supérieure, ici. Donc là, vous avez votre vie, votre coque et votre bouclier. D'accord. Le bouclier est utilisé pour protéger la coque des attaques. Si la force de la coque tombe à zéro, eh bien, vous êtes mort. Si votre capitaine qui est ici meurt, vous êtes mort également. Le bouclier protège de toutes les attaques sauf des missiles et des bombes et de certains drones. Donc attention quand même. Et de certains lasers qui peuvent passer à travers le bouclier, comme dans FTL évidemment. Il s'agit de la durée de votre aventure en jour. Voyager d'un système à l'autre prend un jour de jeu. Ok, bien. Bah, je vois pas trop ce que ça change sur mes 10 jours ou 100 jours, mais bon. Ibérif. Enfin si, après vous pouvez speedrunner le jeu. Ouais, il pourrait y avoir un speedrun, pas en temps chrono, mais en temps de jour. Ça pourrait être sympa aussi. Et oui, attention. Sinon, je vois pas trop à quoi ça sert. Bref. Cette barre d'outils affiche les principales ressources de votre vaisseau. Donc ça, c'est votre argent qui permet d'acheter des choses aux stations de combat. La ferraille est une ressource nécessaire pour réparer votre vaisseau ainsi que les améliorations. La nourriture, attention, 2 de nourriture par humain dans votre vaisseau. Donc là, on en consommerait 6 à chaque saut. Heureusement, nous avons ici notre module de vie qui nous permet de faire de la nourriture. Et ici, l'essence. Si vous tombez à 0, eh bien, vous pouvez toujours vous déplacer, vous pouvez toujours esquiver. Mais par contre, vous ne pouvez plus faire 10 persos jusqu'à ce que vous en lootiez sur les gens. Ils vont venir vous casser la gueule tous les jours. Pour déplacer le vaisseau, vous devez activer l'hyperpropulsion. Donc évidemment, il faut de l'énergie dans l'hyperpropulsion. Ah mince alors. C'est rouge, on a pris un coup. L'hyperpropulsion est endommagée. Oh mince, tous les systèmes en panne sont éclairés en rouge. La coque de votre vaisseau subira également des dégâts si un système tombe complètement en panne. D'accord. On avait vu 15. Dans FTL, c'était 1. Parce que c'était 20 PV. 30 PV votre vaisseau, 30 PV. Là c'est 500, donc si c'est 15, ouais, ça peut peut-être à peu près 1. Enfin, faudrait faire le rapport, mais. Votre équipage peut réparer l'hyperpropulsion, mais oui. Donc vous prenez ce bonhomme et vous lui dites d'aller là-bas. Donc dès qu'un système est endommagé, qu'il soit rouge ou jaune, hein, jaune c'est quand il commence à être endommagé, votre personnage eh bien, le réparera et vous voyez ici la petite progression qui se fait. Et là, pouf, c'est bon, c'est allumé. Alors à savoir. Que tant qu'il n'est pas vert, il est toujours cassé. Pour savoir plus sur votre équipage, voilà, on peut ici faire la gestion de l'équipage, très bien. Donc ici on voit, d'accord. Chaque unité a une spécialisation, comme pilote par exemple, il a une meilleure esquive. Ça. Ce serait bien que tu bouges ton tooltip, ça. Merci. Voilà, 12% pour l'esquive. D'accord. Les singularités, les capacités, les unités sont affichées en bas. D'accord, comme sprinter ou main ferme, d'accord, très bien. Passer la souris sur les statistiques pour obtenir plus d'informations. D'accord, santé maximale, très bien. Ah, donc ça c'est sa santé actuelle, ça c'est sa santé maximale, d'accord. Qu'on va rapprocher donc quand il tape au corps à corps, qu'on va à distance, ça c'est quand... en fait, quand il faut voir que en gros, une salle c'est des cases, d'accord. Quand vous êtes sur la même case qu'un ennemi, vous êtes au corps à corps. Quand vous n'êtes pas sur la même case qu'un ennemi, vous tirez au fusil. Démolition, ça doit certainement être la vitesse où vous cassez les points de vie d'une salle. Si par exemple une salle a 15 points de vie, il faudra 15 coups pour la casser, je suppose. La vitesse de déplacement, les réparations, vitesse à laquelle vous réparez un PV, d'accord, ouais, donc le nombre de PV par tick en fait. L'alimentation, c'est la bouffe, et l'oxygène par seconde, d'accord. 25 d'oxygène par seconde, d'accord. Intéressant. Très bien. Alors, on peut renommer les gens, hein. Ça, c'est pas un souci. Donc, on les renommera plus tard. Ok. Mais non, on a le feu. Ah, le feu. Non. Au secours, le feu, vite.
Oh, vite! Alors, soit on envoie quelqu'un pour éteindre le feu et on subira des dommages, évidemment, parce que le feu, ça brûle, vous le savez. Soit, eh bien, quand c'est au niveau de l'espace, eh bien, vous avez une petite chance, c'est que vous pouvez, eh bien, vider l'oxygène du module. Donc là, il devient tout rouge et le feu s'éteint. Et une fois qu'il n'y a plus de feu, il était noté ici au feu. Dès qu'il est plus noté au feu, vous pouvez fermer les portes. Deux moyens de fermer les portes, soit vous fermez tous les sas, soit vous cliquez sur les portes comme ça. D'accord ? Voilà. Sachant que toutes les pièces ont des portes. Donc, Sophia, tu vas bouger. Voilà. Mettons, j'ai le feu ici. Eh bien, je pourrais très bien faire ça. Oups, pardon. Et voilà, et là vous voyez que ça devient rouge, parce que l'oxygène s'échappe, donc là le feu s'éteindrait. Par contre là si j'ai un bonhomme qui va là, Sophia retourne ici. Pas d'oxygène, 6,7 de dégâts. Allez, va à l'infirmerie. Faut être dans l'infirmerie hein, pour se soigner. Voilà, donc ça pour ceux qui ne connaissez pas FTL, vous avez eu ce petit truc. Et donc une fois que vous remettez de l'oxygène, que vous refermez les portes, de l'oxygène revient, même s'il y a 1% d'oxygène dans la salle, votre personnage peut respirer. Hein. Pour faire un hyperso, oui, il faut appuyer sur le bouton ici d'hyperso. Passer la souris sur l'avatar, ah oui, il faut envoyer le capitaine au pilotage évidemment, il faut pouvoir piloter pour pouvoir eh bien, se téléporter 30 secondes avant un saut. Et là on vous explique que si votre capitaine meurt, c'est Ariel actuellement, eh bien vous perdez la partie. Alors, c'est votre niveau de prime actuel. Ça n'existait pas dans FTL. À chaque alternance de jour, de jour et de la nuit, ainsi qu'en raison d'actions particulières que vous effectuez, le niveau de prime augmente. Une augmentation du niveau de prime entraîne des ennemis plus forts dans le secteur. Alors, ça peut aussi descendre. Hein. Ils disent que ça augmente, mais ça peut aussi descendre. Hein. Évidemment. Donc, si vous volez les honnêtes marchands et si vous cassez la bouche aux civils, eh bien, ça monte plus vite. Évidemment. Si vous tuez des pirates, eh bien, ça a tendance à descendre. Chaque hyperso nécessite du carburant. On voit ici que ça va nous coûter 1 de carburant et 4 de nourriture. Donc ça fournit 2 de bouffe. Très bien. Donc voici la petite carte du secteur. Oui. Donc, les traits bleus, c'est là où vous pouvez aller. Hein. Donc là, je ne peux pas aller là. Il va me dire non, parce que le trait bleu, il passe pas par là. Donc là, le trait bleu, il va là, puis là, à Tabit. Donc, allons à Amal. Et téléportation. Direction Amal. Très bien. Et que va-t-il se passer? Ah, combat. En arrivant dans le système, vous remarquez un vaisseau de l'Alliance détaché de la flotte principale qui vient vous casser la bouche. Vous rencontrerez des événements similaires dans de nombreux systèmes. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Très bien, donc soit on continue, et si vous avez des choix jaunes comme ça, c'est l'équivalent des choix bleus dans FTL, donc en gros c'est des choix qui ont plus tendance à être bons. Hein. Alors ça n'a pas tout le temps tendance à être bon, vous pouvez quand même peut-être vous faire carotte. Dans FTL, il y en a un ou deux que vous pouvez vous faire carotte. Là, je ne sais pas dans ce jeu, on va dire que vous avez plus de chances d'avoir des événements positifs. Hein, ou des événements moins négatifs. On va dire ça. C'est parti. Très bien. Cliquez sur le bouton de l'arme. Ah oui. Donc là, on a mis 2 en arme. Alors, ici, on voit mode de tir automatique ou mode de tir en rafale. Je ne sais pas ce que c'est le mode de tir en rafale. Cliquez sur le bouton gauche de la souris. L'arme est activée. Choisissez le mode de vaisseau. Ouais, donc là, moi, je mets toujours en mode de tir automatique. Comme ça, j'ai pas à la gérer. En plus, là, on n'en a qu'une. C'est un peu plus compliqué quand vous en avez plusieurs et que vos temps de rechargement ne sont pas les mêmes. Ou là, vous allez peut-être devoir synchro à la main. Sachant que vous avez toujours la possibilité de poser le jeu avec la barre espace. Très important. Donc ensuite, on choisit la cible. Donc là où il n'y a rien, bah, c'est comme nous. Hein. Là où il n'y a rien, c'est de la coque. Donc il y a des armes qui peuvent... Dans FTL... Voilà, toujours hein, le rapport. Hein. Dans FTL, vous aviez des armes où il fallait des fois viser les endroits vides. Ça faisait plus de dégâts que dans les endroits avec des trucs. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a 12 PV, qu'il n'a pas de bouclier, qu'il a un point en pilotage, un point en hyperso et un point en arme. Donc, pour éviter de se faire casser la bouche, on va viser les armes. Principalement, viser les armes et les boucliers tout le temps. Pourquoi? Parce que les armes, ça les désactive. Quand il a plus d'armes, eh bien, vous pouvez tirer sur autre chose sans qu'il vous embête.
Et si vous arrivez à lui casser ses boucliers, bah, il n'a plus de bouclier, donc tous les tirs que vous allez faire vont toucher directement la coque. Attention que si vous visez les boucliers, et bien tant que vous harassez les boucliers, vous harassez pas les armes. Attention à ça. C'est parti. Donc ce sont les boutons de pause, on peut accélérer le temps. Alors est-ce que j'ai envie d'accélérer le temps? Non. Ah mais on a pris un tir direct. Salaud. Allez. Super, maintenant apprenez à ces roublards à se battre. Mais oui. Boum. Allez. T'as pris des PV dans la bouche. Continue. Alors, moi je tire deux fois, lui une fois. Hein. Bon voilà. Bon. Au moment, c'est pas dur, hein, c'est le tuto. Ce combat était gagné d'avance. Alors. Si vous avez certaines singularités, oui, vos canons et votre équipage transforment le vaisseau ennemi en débris spatiaux. Vous ramassez tout ce qui a de la valeur. Alors, à chaque fois que vous allez tuer un ennemi, vous allez avoir des loots. Donc là, on a gagné 300 de ferraille. Ça se voit que c'est le tuto. Le découpeur de mines, d'accord. Et un lance-roquette Caron. Oui, ça s'écrit Charon, mais c'est Caron comme le passeur. De la mythologie grecque, s'il vous plaît, et on prend 009 de prime. Très bien. Un de vos membres de l'équipage a acquis suffisamment d'expérience pour passer au niveau supérieur, il est trop fort. C'est pas du tout le tuto. Hein. Ok, donc on doit appuyer ici sur les petites flèches. Dès que. Chaque fois que vous montez de niveau, vous allez pouvoir choisir une singularité. D'accord. Fuite. Pendant 10 secondes, l'esquive de votre vaisseau et du vaisseau ennemi sélectionné tombe à 0. Attendez. L'esquive de votre vaisseau et du vaisseau ennemi? Ah! C'est bien. Mais ça m'encourage pas à l'utiliser. Parce que, à moins d'avoir. Alors. Pardon. Si vous êtes un vaisseau full missile, c'est très bien. Parce que les missiles ne peuvent pas être esquivés à ce moment-là. Et les boucliers ennemis n'arrêtent pas les missiles. Donc vous utilisez ça, vous balancez la max au niveau des missiles dans ses boucliers ou dans ses armes, ça évite qu'il vous tire dessus. Ah, ça peut être pas mal, mais circonstanciel. Discours passionné. Le moral des unités alliées du vaisseau augmente immédiatement de 0,5. 2 points de provision sont consommés. D'accord, donc ton discours passionné se fait avec des hamburgers. Très bien. Donc je donne des burgers à mes hommes et ils se battent mieux. Nous allons prendre la fuite. La fuite bloquée, évidemment. Vous avez reçu une nouvelle arme. Ah, c'est très bien. Allons dans la gestion de notre vaisseau. Faites glisser notre nouvelle arme pour l'équiper. Donc on peut installer les trois, hein, ou on peut en installer qu'une. Vous n'êtes pas obligé de tout alimenter. Hein. Vous pouvez tout mettre là, c'est pas très grave. Allons voir notre vaisseau. Donc ici, nous avons notre vaisseau. Nous avons ici notre barre de vie. Que nous pouvons réparer avec de la ferraille. Bon, là, il est plein de vie. Et dans la fenêtre ici, donc là, les petits plus servent à améliorer les points. Hein. Donc, ça va consommer. Donc là, vous voyez les deux, le V vert, c'est le niveau où vous êtes. Si je passe au niveau 9, ça va me coûter 400. Si je passe au niveau 90, pardon. Si je passe au niveau 10, ça va me coûter 90 plus 100, 190. Au niveau 11, 190 plus 110, donc 300, bravo à vous, etc., etc. Et même chose pour les armes, donc là on est au niveau 3, pour passer au niveau 4 c'est 80, pour passer au niveau 5 c'est 180. Sachant que, je peux plus aller voir ma soute. Sachant que si vous avez une arme à 2 et une arme à 3, et que vous avez 3 points en arme, soit vous activez l'arme à 2, soit vous activez l'arme à 3, mais vous ne pouvez pas activer les deux. Il faudrait avoir 5 points en arme pour activer les deux, d'accord ? Donc attention. Module d'armurerie de votre et votre réacteur, voilà, voilà. Donc là, c'est bien ça. Il nous met en direct combien ça va nous coûter. Donc là, on est à 300, 170. Ah, il veut pas que j'améliore le reste, d'accord. Alors, un jour est passé. Quand vous construisez, ça va faire un jour. Donc comme si vous baladiez dans l'espace, donc ça consomme de la bouffe. Ça consomme pas de carburant, mais ça consomme de la bouffe. Différentes armes. Donc là, on voit les points d'énergie. Donc là, 2 points d'énergie et 2 points d'énergie. Très bien. Bien, mettons-nous ça. C'est quoi ça, vide? Il faut charger des missiles, d'accord. Bah, charge des missiles. Et donc là, vous voyez qu'il me dit, ah non, espèce de con, t'as pas... Donc, temps de recharge, 14 secondes. Ouah! Chance de percer 50%. Ah oui, par contre, ça décope. Alors, ça, c'est des lasers que j'aime bien. C'est-à-dire que ça...
vous allez alors si c'est la même chose dans FTL, on faisait un trait et en fait le laser il parcourait le vaisseau en découpant et en fait il faisait des dégâts par salle. Bah voilà. voilà, c'est exactement ce que je dis. Donc là voilà, vous avez le trait ici et en gros ça va faire X dégâts par salle où ça va passer. Donc là hop, donc là normalement je passerai dans 3 salles et là ça va percer comme ça et vous avez 50% de chance à chaque dégât que vous faites de percer la coque. voilà. Et ça, j'adore ces armes là, c'est des armes extrêmement pétées. Ok, choisissez votre prochain système. Ici c'est quoi cette non mais il y a un crâne, je veux pas y aller moi, mais je veux aller là. Je vais aller là. Non, pourquoi je dois aller chez ma bite? Bon bah je vais aller voir ta bite alors. Alors, un gros vaisseau. Oh mince. En entrant dans le système passerelle, c'est pour pouvoir passer d'un secteur à l'autre. Vous remarquez un vaisseau qui s'approche de vous. Ses systèmes d'armes sont chargés. Il n'est clairement pas d'humeur à négocier. Et est prêt à transformer votre vaisseau en passoire. Très bien. C'est le gardien de la porte. Très bien. La bataille, ok, pourrait être votre dernière, capitaine. Amusons-nous au moins une dernière fois. C'est parti. Alors, vous pouvez utiliser les capacités de votre équipage pour obtenir un avantage au combat et défoncer le cul des ennemis. Oui. Alors. Il a 60 de boucliers. Mon dieu, on va se faire laver. Alors. 3 en pont, d'accord. Donc il a masse esquive. 5 en hyperpropulsion. Le mec, il a masse esquive et va tout esquiver. Hein. 6 de bouclier, ah, donc c'est 10 par bouclier. Très bien, ça c'est important à noter. Hein. Ok, 3 de module vital, le système de Sasa 3. Ok, bah oui. 6 d'armes, donc ça, ça doit être des armes pétées. Très bien. Oui, tiens, je vais évidemment. Ouais, mais moi, mon esquive elle est à 0. Alors, où est-ce que je vois mon esquive par contre? Dans FTL, on avait des stats. Là, je ne les vois pas. Où est-ce que je vois mon esquive ou net? Esquive 0. Ah, elle est là, mon esquive. D'accord. 100% de 2. D'accord. De toute façon, il va tout esquiver. Alors, j'ai envie de tester, voir si ça passe à travers les boucliers ou pas. Dans FTL, ça passait pas à travers les boucliers, donc on va voir ça tout de suite. Ça passe pas dans les boucliers. En tout cas, on lui a mis cher dans sa face. Dora. Aïe! Oh non! Pas d'oxygène dans... Ah non, vite, fuis-toi, Bobby. Ellie, ils nous ont cassé nos boucliers. Un bordel de crotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas d'oxygène. L'ennemi semble beaucoup trop fort. Oh, vite, barrons-nous. Oui, quand l'ennemi est trop fort, vous pouvez vous barrer. Hein. quand votre hyperpropulsion est chargée, évidemment, elle s'est chargée instantanément pour eh bien, le besoin du tuto. La Fédération a perdu la dernière bataille malgré un combat désespéré lorsque l'Alliance des corporations d'extraction a pris le contrôle de la galaxie. Elle a mis en place sa propre structure gouvernementale, le Nouveau Règne. Très bien. La galaxie, était sous le contrôle total. Les temps durs appellent des personnalités dures. Donc même dans une période comme celle-ci, il y aura ceux qui mèneront toutes les races, se battront et libéreront la galaxie des chaînes des corporations. Oui. Félicitations, vous venez de terminer le tuto. Voilà, vous venez de vous faire casser la gueule. Très bien. Eh bien, commençons la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 chapitres. Donc, on peut jouer les humains, d'accord. Les elfettes bleues, d'accord. Aussi appelés les Etaris. Cthulhu, ou Rakis, pour les intimes. Et les Terticron. Donc, Terticron, à mon avis. Megatron, d'accord. Alors, machine à tuer, c'est quoi? Vous pouvez pas mettre le jeu en pause. Non. Difficile. Non. On va jouer en facile hein, pour commencer. Donc nous, on n'a pas le choix, on va jouer des humains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le choix du vaisseau. Ah, pas disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vaisseaux pour les humains. Très bien, est-ce qu'il y aura 8 vaisseaux dans toutes les factions? Peut-être. Donc ça c'est notre vaisseau, très bien. Alors on commence avec quoi? Une arme à plasma, 3 de dégâts à la coque, 10 de bouclier, 10 de dégâts aux équipages, ok, donc plus bouclier équipage, très bien. Dégâts au système 3, d'accord.
20% de probabilité de feu, d'accord. 4 secondes de rechargement, 2 tirs, rounds, je ne sais pas ce que c'est. Et énergie nécessaire, 2. D'accord. Lance-roquette tonnerre, là c'est un lance-roquette. Dégâts à la coque, 10-10-10, bon au moins c'est facile. 10-10-10, au moins, voilà, ça c'est bien. Voilà, on n'a pas... Donc le feu, percer c'est percer la coque, étourdissement c'est étourdir l'équipage à l'intérieur. Ignore les boucliers, c'est normal, c'est un missile comme dans FTL, 10 secondes de temps de recharge, c'est de la merde. Tire 1, round 1, énergie nécessaire 1. Alors pourquoi je dis que c'est de la merde? Parce que en fait il combatte pas du tout avec notre tourelle laser, parce que ce n'est pas un multiple de 4. Voilà, donc il va falloir micromanager à la main. Quoique c'est un missile, donc ça passera les boucliers, donc en vrai, oui, mais si on fait des dégâts aux armes, vaut mieux taper le missile et le tir pour faire plus de dégâts, enfin bref. C'est un bordel sans nom, évidemment, bien que les missiles soient plus souvent utilisés pour percer les boucliers. Voilà. Ah oui, c'est compliqué, hein. C'est FTL, je vous le dis. Ok, Samuel. Non, tu vas pas t'appeler Samuel. Tu vas t'appeler Ardarine. Emilia, bien sûr que non, tu vas t'appeler Malice. Et Dur à cuire, eh bien non, Dur à cuire va se transformer en Obruda. Alors, nous avons ici Ardarine, le pilote, amiral, renégat, capitaine du vaisseau. Bienvenue à toi, Ardarine. Malice, opérateur d'hyperpropulsion, très habile de ses mains apparemment. Elle permet, grâce à elle, nous allons pouvoir nous téléporter plus vite. Merci Malice. Niveau 1. Très bien. Et Broudaf, l'ingénieur, évidemment, il a une tête de winner, Broudaf, qui va nous permettre de faire des réparations et des extinctions d'incendie plus rapides. Cet homme n'a pas peur de sauter dans les flammes, évidemment. Alors, très bien. Ah oui, d'accord. Ok, l'hyperpropulsion se charge 50% plus vite. C'est l'unité qui met la précision. Très bien. D'accord, en fait, il faut attendre que ce soit chargé, là, que le petit rond, là, le petit cercle, soit plein pour que ça lock la page. D'accord. D'accord. Système un peu bizarre, mais ouais. Why not, j'ai envie de dire. Ok. Très bien. Donc, extérieur défraîchi, peinture écaillée, odeur des câbles brûlés et d'huile bon marché. Ces mots décrivent le vaisseau en quelques mots. Ça a l'air très bien. Ce modèle a été créé à l'époque de la grande expansion humaine dans l'espace. Évidemment. Des pièces de rechange bon marché, un assemblage facile et de qualité sont devenus les arguments gagnants de l'évolution rapide de l'humanité qui a fait ses preuves d'une capacité d'adaptation exceptionnelle à des conditions difficiles. Très bien, très bien, très bien. Comment s'appelle notre vaisseau? Le Faucon Centenaire, on peut pas le renommer? Par nouvel vaisseau, d'accord. Système. Alors, les systèmes, on a quoi? 2 de bouclier, 2 d'hyperpropulsion, 1 d'infirmerie, 1 module vital, 3 d'armes. Bah, c'est normal, 2 et 1. 1, ok, ok, ok. Alors, peut-être que des vaisseaux commenceront avec une TP, avec de l'invisibilité, sans bouclier, des trucs comme ça. Hein. Dans FTL, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu, des vaisseaux sans bouclier. Et oui, et oui. Notamment le vaisseau Stealth, le Stealth C. Rappelez-vous du Stealth C. Le vaisseau qui est censé être invisible, qui n'avait pas le module d'invisibilité et qui n'avait pas de bouclier. Voilà, rappelez-vous. Horrible. C'est parti. Un jour, peut-être, on refera tout FTL. Sur la chaîne de AK. Ok, après vous êtes débarrassé d'une autre patrouille de Venator. Qui sont les Venator? Les Venator, c'était c'est pas des croiseurs de la République dans Star Wars, peut-être. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Le centre de communication local fait comprendre que votre tête est mise à prix. Mais oh, j'ai rien fait. Ce serait une bonne idée de trouver un endroit sûr jusqu'à ce que la poussière retombe. Ouais, c'est vrai. On va dans un bar. Votre ami Ronnie de la ceinture d'astéroïdes, c'est mieux que quiconque comment aller au sol. Bah très bien. Où est-il, Ronnie? Où es-tu? Quelque chose de louche. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? 300 de coque, 22 boucliers, Ardarine au pilote, évidemment. Malice ici et Broudaf. Aux armes, ouais, why not? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Malice, qu'est-ce que tu nous fais? Contrôlé par l'opérateur, plus 2% d'esquive. Merci Malice, 31% d'esquive, bravo à toi. Opérateur d'hyperpropulsion L1, plus 0% d'esquive, plus 50% de vitesse de recharge de l'hyperpropulsion. Très bien. Level 1 peut-être? L1? Peut-être.
Infirmerie est désactivée, on n'a pas assez d'énergie, très bien. Module vital, évidemment. Les armes, ok. Donc on a des missiles quoi? Missiles Spitfire. Ok, alors, on a 800 d'argent, 50 de ferraille, d'accord, 22 de boue, c'est pas beaucoup, 15 d'essence, ça va. 0 de prime, très bien, 31% d'esquive, 100% d'O2, et c'est le premier jour. Alors, est-ce que ici on peut renommer le vaisseau? Non. On peut pas renommer le vaisseau encore, peut-être plus tard. On pourra renommer le vaisseau, j'aimerais bien pouvoir renommer le vaisseau. Comme dans FTL. Vous pouvez mettre des noms assez sympathiques. Parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Ouvrons la carte galactique. Alors, nous sommes à Alsafi. Très bien. On doit aller à Aldorf. Très bien. Comme quoi, hein, Warhammer, tout ça, tout ça. Ah, mais il y a un petit effet 3D à la map. D'accord. Ah oui. Ah, mais oh, on peut zoomer. Oh, alors le dézoom. D'accord. Très grande map. Ok. Et donc, on peut zoomer. On peut zoomer à quel point? Ah, on peut zoomer à ce point-là. D'accord. Ah. Waouh. Waouh. Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. Ah, mais on peut tourner dans l'espace! Mais c'est trop bien! Attendez. Attendez. Mais... Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Du WASD? Attendez, comment ça, WASD? Comment ça, WASD? J'appuie sur ZQZ, mais ça ne fait rien. D'accord, bon. Ah, très bien. Ok, bon. Ouais, donc on peut jouer un peu avec la... On peut jouer un peu avec la map, très bien. Alors, c'est quoi ça? Alors, légende. Merci. Quête principale, très bien. Quête de combat, très bien. Quête de commerce, ah, ça on aime. Quête de livraison, ouais. Quête de sauvetage, d'accord. Autre quête, d'accord. Bon, pour le moment, on n'a rien de tout ça. Une station spatiale. Il y a des stations ici? On ne sait pas s'il y a une station. Très bien. Ennemi. Donc, c'est quand on est sûr qu'il y a un ennemi. D'accord. Pour le moment, on voit que des gardiens. D'accord. Les gardiens sont plus forts, certainement. Et les portails. Les portaux. D'accord. Donc là, il y a le gardien du portail. D'accord. Donc, il y aurait un gardien comme ça à chaque portail? Très bien. Un pulsar. Il n'y a pas les pulsars. Ceinture d'astéroïdes, d'accord. Tempête solaire, nébuleuse, trou noir, tout ça on n'aime pas. Nébuleuse, nébuleuse nous empêche de voir des choses. Hein. Et, les ceintures d'astéroïdes vous envoient des astéroïdes dans la face. Eh bien, allons à Gomesia. Elle m'a pris ma montée. D'accord. Une énorme flotte de Vénators patrouille dans le système. Heureusement, ils ne sont pas là pour vous. Un des Vénators vous appelle et vous propose de rejoindre pour attaquer une petite station pirate. Cela semble une parfaite... Bah oui, on va... Alors, est-ce qu'on est un sac à merde de pirates ou est-ce qu'on aide les Vénators? Je ne sais pas qui sont les Vénators, on va les aider. Vous acceptez de vous joindre aux Vénators pour l'assaut. La station pirate est lente à réagir et les Vénators s'en emparent rapidement. Une part du butin est à vous et les Vénators promettent de vous laisser tranquille. On perd de la prime. Et on a gagné 28 de ferraille, 11 d'essence. 11 d'essence? Mais c'est énorme. Et 500 balles. Très bien. Oui. Alors par contre, la bouffe, ça va être un problème, Jackie. Il va falloir faire quelque chose. Il y a bien beaucoup de bits. T'as bit 1543, t'as bit 1570. C'est quoi toutes ces bits? Ça doit être un nouveau code internet. Alors, une patrouille de Rakis. Ah, c'est Cthulhu ça. Vous salue, il vous demande de les aider à comprendre le sens du manuel d'un Terticron pour leur nouvel équipement. Ils ont l'air d'avoir du mal à comprendre. Si on les aide, ils vont nous donner de l'argent. Si on refuse, ils vont nous balancer des missiles. Ouais, aidons-les. Vous pouvez facilement expliquer aux Rakis quand et sur quoi appuyer pour commencer à s'amuser. Ils comprennent très vite et installent rapidement leur nouvelle arme. Bien. Bande de salauds, c'est des slugs. Ah non, ce sont des slugs. Ce sont des salopards. Très bien. On ne les aime pas. Ok, il n'y a pas de pause automatique au début du combat.
C'est important de le noter. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah si, il y a une pause automatique au début du combat, c'est juste moi qui ai appuyé trop vite. Alors, ils ont 10 de boucliers, ce sont des clodos de l'espace. 15 de coque, clodos de l'espace. Alors, 1, 2 d'armes. D'accord. Un de bouclier. Ah, par contre, ils ont beaucoup d'hyperpropulsion. Ils ont un téléporteur. Attention, un téléporteur. Ils vont tenter de nous aborder. Bien. Donc, on va leur casser la gueule. Balançons tout dans le téléporteur de suite. Ok. J'ai le weapon impregnateur. Très bien. Mais mes armes sont chargées dès le début. Boum. Oh oui. Nous avons touché. Ah mais il s'est désactivé. Bien. Oui, nous avons gagné. Normal, c'était le premier combat. On a quand même utilisé un missile. Hein. C'est pas forcément worse. Vous avez vaincu l'ennemi et vous récoltez la prime. Oui, donnez-moi de l'argent. Est-ce qu'il m'a donné un missile? Non. Pas de missile. Ah, par contre, on a trouvé des burgers. On a, ah non mais, alors, des burgers touchés par des insectes. Ça doit être spécial quand même. Ok. Fad. Alors, ah, là il y a un ennemi, d'accord. Ah, on voit un petit peu loin, un petit peu loin, comme quand on avait les long range scanners, les scanners à longue portée sur FTL. D'accord. Oui, c'est vrai que FTL est passé en français maintenant. Très bien. Alors, dès que vous entrez dans le système, ils veulent vous réduire en miettes, mais qui? Qui veut nous casser la gueule? Déjà qui? Alors, mais ce sont encore des jackies. Il y a encore des rakis, là. Ok. Après, ils vont vouloir nous board. Ils ont combien d'armes? 2 d'armes. C'est quoi ces armes dégueulasses? Oui, parce qu'en fait, plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez comprendre. Ça a l'air d'être des lance-missiles, ces saloperies. Hein. Moi, je dis ça. Et vas-y, balance un missile dans leur missile, là. Bien. Ok, leurs armes sont endommagées. Moi je dis continue à taper les armes. Bien. On va... Oh merde. C'était deux missiles. J'ai pas un truc d'esquive. Non. 31% de chance. L'esquive. On se le prend en pleine face. Les deux on s'est épris. Super. Il y a le feu. Au feu. Au feu. Au feu. Au feu. Au feu. Au feu. Oh vite. Dégagez tout l'oxygène. Dégage l'oxygène. Toi, non. Brodaf, va réparer le système d'O2. C'est pas grave, Brodaf. Ça va aller. T'inquiète pas. Tu vas pouvoir t'en sortir. Ah putain, ça... Aïe. Vous gagnez la bataille, c'était dur, mais vous avez l'habitude, vous rassemblez les ressources précieuses. Alors, un lance-roquette tonnerre, très bien. 10 missiles. Des missiles Spitfire, très bien. Ok. Le feu s'est éteint? Oui. Fermeture de tous les sens. En avant, Brodaf. Va réparer les boucliers. C'est bien, mon petit Brodaf. Que tu es fort. Ah oui, on voit bien c'est la différence entre santé et santé maximale. D'accord. Et donc là, je peux aller voir. D'accord, les stats. D'accord. Brodaf, level up! Bravo à toi, mon petit Brodaf. Tu es tellement talentueux. Brodaf. On appuie, on applaudit Brodaf, mesdames et messieurs. Bah, j'ai dit, fermez les sas. Hop, hop. Voilà. Soigne Brodaf. Ouais, c'est comme dans FTL, ça va relativement vite. Retourne aux armes, mon petit Brodaf. Alors, vous pouvez évidemment sauvegarder les positions, et comme ça, quand vous bougez votre équipage, votre crew, vous pouvez évidemment leur dire, ah non, mais retournez avec les petits curseurs ici. Vous voyez que s'il n'est pas dedans, bah, c'est rouge. Hein. Et elle, si elle n'est pas dedans, on peut y aller, d'accord. Attendez, là on est chargé. Ah, intéressant, si votre pilote sort et revient, vous avez une seconde de cooldown. Attention. Gestion du vaisseau. C'est quoi ça? Ah, c'est là où on a pris un impact. D'accord, donc voilà. Donc utilisez la ferraille pour réparer votre coque. Ça vous prendrait 22 ferrailles. Donc c'est 1 pour 1, 10 pour 10. D'accord. Ok, intéressant. Et si on appuie là-dessus, ça nous répare tout instantanément. Très bien. Ça, c'est quoi? La soute. Il est utilisé pour stocker les objets dans votre vaisseau. Hein?
On peut améliorer la soute. À FTL, on pouvait pas. À FTL, on avait... D'accord. Donc la soute, c'est ça. D'accord, ok. Ok, ok. D'accord, ils sont chargés dans mon lance-roquette. D'accord, ils sont chargés dans mon lance-roquette, mais me prennent un emplacement quand même. Très bien. Ça, c'était quoi? Ah, bah, c'est le même. Donc là, je pourrais faire ça. Alors, petite question. Est-ce que je peux... Ah, je peux charger dans les deux les missiles Spitfire. Ah bien. D'accord. Ok. Intéressant. Et donc, évidemment, je... est-ce que je peux... Non, je peux pas faire ça, mais je peux faire ça, alors. Là, je pourrais faire ça. Alors, petite question, est-ce que, vu que je l'ai retiré pour le déplacer, est-ce qu'il va tomber à zéro d'énergie? Oui. D'accord, ça le désactive et ça le réactive. D'accord, ce que ça faisait pas dans FTL. D'accord, ok. Ok, 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 ok. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette découverte. On a montré un petit peu des choses. Ah non, on n'a pas encore tout montré. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Gilet pare-balles. D'accord. Ou Sprinter. Très bien, bah, gilet pare-balles. Très bien. Alors, il y aura un let's play sur ce jeu. Alors, sachant que je vais aussi faire un let's play sur d'autres jeux. Pour la gêne du signe, je sais pas quand. On en a parlé avec le signe, mais il va y avoir un let's play sur ce jeu, c'est su. Au pire, je verrai avec lui pour le faire sur ma propre chaîne. On en discutera avec le signe noir, évidemment. Nous vous tenons au courant de toutes ces infos. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.